Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour réaliser cette petite plume, vous aurez besoin d'un vernis orange, d'un vernis jaune pour faire le dégradé, d'un vernis pailleté dans les tons orangés, d'un top coat, d'un liner doré ou d'un vernis doré et d'un pinceau fin. J'ai commencé par faire un dégradé vertical, donc pour ça j'applique une bande de ma couleur jaune puis une bande de ma couleur orange. J'applique du top coat transparent à la jonction des deux couleurs et je viens fondre tout ça en dégradant. Je laisse sécher puis je passe une seconde couche pour plus d'opacité. Donc c'est un dégradé express, vous n'avez pas besoin de mousse à maquillage ou d'éponge à dégrader, simplement du vernis transparent. Une fois que le dégradé est fini, j'applique quelques paillettes. Sur l'annulaire, j'ai décidé de faire une French donc avec cette même méthode. Donc j'applique en bout d'ongle mon vernis jaune, puis avec le vernis transparent, je viens dégrader ma couleur vers le haut de la cuticule. Ensuite, avec de la peinture acrylique orange, je trace l'axe de ma plume. Donc je fais une courbe. Et ensuite, je viens ajouter donc les plumes. Donc pour ça, je fais quelques traits à droite et à gauche de mon axe central. J'essaye de suivre toujours le même mouvement de ma plume. Je viens ensuite faire d'autres traits sur les premiers traits pour étoffer un petit peu l'aspect de la plume. Puis pour nuancer un petit peu les couleurs, je viens ajouter un peu de peinture acrylique jaune. Donc bon là, les couleurs étaient un peu trop ton sur ton et la plume ne ressort pas assez, mais vous pouvez tout à fait adapter les couleurs à vos goûts. Ensuite, j'avais décidé de tracer donc l'axe de ma plume ainsi que quelques feuilles sur les côtés avec du vernis doré. Et pour faire un rappel de mes autres ongles, je prends mon vernis pailleté que j'ai utilisé sur mes autres doigts pour ajouter quelques couleurs à ma plume. Et voilà, ce nail art est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.